La locomotive que vous allez voir, elle date de 1913, mais elle est, elle porte le nom de 141 CB 407, et elle est assez symbolique ici puisque les tout derniers temps des trains à vapeur à Romilly, avec un omnibus qui faisait 3 Romilly le soir et qui repartait le matin, eh bien, il y avait une locomotive sœur de celle-là qui a fait ce train ici à Romilly jusqu'au mois du service d'été 67 jusqu'en juin 67. Pour faire du feu, on a du charbon. On peut en venir et on a un rapport. On met dans le foyer. D'ailleurs, pour regarder tout parcours avec. On fait bouillir l'eau. L'eau devient en vapeur. Ce qui sert à faire avancer la machine. Là, on a un petit feu parce qu'on a l'arrêt. Pour monter la machine en pression, pour faire de zéro à 1 bar, il faut à peu près 2h30 voire 3h. Et pour, quand elle est froide. Et pour la monter petit à petit. Pour éviter la déformation des tôles, il faut à peu près 8 heures pour que la montée à 10 kg à peu près. On va jusqu'à 16 bars, et au bout de 16 bars, s'il y a trop de vapeur, on a deux soupapes qui se trouvent au-dessus de la machine qui sert à évacuer la vapeur qui sert à rien.